Palais les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 6e étape du Tour de France, la première de montagne. Moyenne montagne certes, mais sûrement les premières explications entre les favoris, mais aussi pour une échappée. C'est peut-être la première fois qu'elle peut rêver d'aller au bout. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai décidé de revoir mon mode de fonctionnement de vidéo et ça sera à peu près pour n'importe quel sujet comme ça, que ce soit du foot, du rugby, du vélo. J'ai trouvé ça plus intéressant et moins ennuyant et moins dans tous les sens. Il y aura une grande question à laquelle à la fin de la vidéo on devra répondre et puis trois petites questions avec trois points pour essayer de répondre à cette première. Donc, je vous laisse tout de suite regarder la vidéo présentation du profil et puis on se retrouve tout de suite. Petit point historique. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour accueillir pour la 74e fois, oui, bien 74e fois, le Tour de France. Il s'agit tout simplement de la troisième ville la plus visitée par la Grande Boucle après Bordeaux et Paris. Oui, ça fait longtemps que le peloton n'est pas passé à Bordeaux. Il va passer cette année, mais pour et encore derrière. Peut-être plus pour longtemps. Pour ce qui est de la Reims, elle accueille, ou il, je ne sais pas comment on dit, la quatrième fois les coureurs de la Grande Boucle. La dernière venue du Tour dans cette commune pyrénéenne remonte à 2020 avec déjà un départ de Pau. C'est même presque un copier-coller l'étape. Et je crois que 10 km d'écart, mais on passe autrement par les mêmes difficultés. Et avait vu le sacre du Slovène Tadej Pogačar. Les amis, avant de passer à la grande question du jour, je vais contextualiser un peu la chose. Car au début, on s'était dit, c'est tranquille, les échappés vont aller au bout dans cette étape, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Mais l'effet de course ont fait qu'il y a quand même eu un doute, avec notamment la présence de Jay Hindley dans l'échappée. Même si au début, on pouvait avoir quand même l'interrogation de savoir si les favoris du classement général auraient voulu se disputer la victoire, tout ça pour prendre les bonifications en haut de la dernière difficulté du jour. Il y avait notamment 8 secondes de bonification pour le premier qui passait en tête du col de Marie Blanquet. Donc avant d'amener un premier élément de réponse, on va contextualiser la chose. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, une étape propice à une échappée. Beaucoup de coureurs, au moins un tiers du peloton, vont vouloir s'échapper. D'ailleurs, une trentaine ou quarantaine de coureurs vont être en tête de course au kilomètre 40. On apprend aussi par les bonnes petites oreilles qui traînent de Philippe Gilbert, à qui on souhaite un joyeux anniversaire sur Eurosport, que UAE va sûrement laisser le maillot. Mais contre toute attente, un coureur très dangereux pour le classement général, mais aussi pour la victoire finale, ancien vainqueur du Giro en 2022, ancien deuxième aussi du Giro en 2020, Jay Hindley s'est glissé dans l'échappée en espérant faire coup double, voire coup triple avec une super avance. Donc ça va chambouler les plans du UAE qui va se mettre à rouler mais qui va avoir une stratégie catastrophique. On va en revenir juste après. Dans la dernière difficulté du jour, col de Marie Blanche, Tadej Pogačar va avoir, je ne sais pas si c'est une fringale, si il ne se sentait pas bien, est-ce qu'il a chopé un virus, on ne sait pas, on le saura dans les prochains jours. Mais il va être victime d'une défaillance en tous les cas, il ne pourra plus suivre le groupe des favoris. Jonas Vingegaard en profite pour accélérer et full gaz jusqu'à l'arrivée. Il va prendre aujourd'hui 47 secondes d'avance sur le Slovène. Pour moi, oui, il s'est beaucoup fatigué pour rien du tout au final, pour aller chercher quelques petites bonifications sur les premières étapes assez casse-pattes, pour avoir seulement, avant l'étape d'aujourd'hui, 11 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Mais en contrepartie, il a dépensé énormément d'énergie. Il a aussi montré peut-être qu'il était un peu trop confiant, un peu trop serein. Et on sait que c'est pas bon sur la route du Tour de France, surtout quand on veut gagner le Tour. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec lors de la précédente édition, il avait craqué en 2022 dans le col du Granon pour la première étape de haute montagne, dirons-nous, sur le Tour de France. Et bien aujourd'hui, c'est bis repetita cette fois, sauf dans une étape de
haute montagne, de moyenne montagne, où il craque aujourd'hui dans le col de Marie-Blanquet. Donc, l'erreur de l'année dernière n'a pas suffi cette année à n'a pas servi de leçon à Tadej Pogačar cette année. Et puis, avec aussi une gestion catastrophique, une stratégie d'équipe catastrophique, on va déjà remonter à la deuxième étape. On a un maillot jaune sur les épaules de Adam Yates, un équipier de luxe pour Tadej Pogačar. Pourquoi ne l'avoir pas laissé déjà dès la deuxième étape afin de reposer les équipiers du Slovène et de ne plus avoir le poids de la course? Parce que maintenant, ils les ont payés, ces efforts de début de tour, en ayant l'obligation d'assurer le rythme dans le peloton. Aujourd'hui, il y a encore une gestion catastrophique dans cette course. Au début, on voulait laisser le maillot, bonne chose, on a mieux vaut tard que jamais. Sauf que avec les incidents, tous les impacts de la course, la présence surtout de Jay Hindley dans l'échappée, la tête des UAE, Amy Watts va complètement tourner, il faut le dire. On va carrément faire relever deux coureurs dans l'échappée qui étaient dans l'échappée, dont Marc Soler, pour pouvoir rouler à l'avant du peloton et revenir sur l'échappée, ou en tout cas limiter les dégâts et que Jay Hindley prenne le moins de temps possible. Sauf que il n'y aurait pas fallu relever ces deux coureurs, au moins laisser Marc Soler. Il aurait fallu jouer à l'équipe, surtout avec la Jumbo qui lâche en premier, c'est-à-dire je suis à UAE, je dis ben moi je ne veux pas rouler, tant pis, il y a Hindley, ben, il prendra le temps qu'il prendra. Et tenir comme ça, ne pas lâcher, et peut-être qu'en ne lâchant pas, Jumbo aurait été la première équipe à craquer. Ce que Jumbo a fait d'ailleurs, elle a laissé le poids de la course à UAE d'ailleurs, qui était maillot jaune, donc c'était normal. Surtout, je dis de laisser Marc Soler à l'avant parce que c'est un excellent grimpeur. Il aurait pu servir de point d'appui dans le final ou alors carrément aller chercher la victoire d'étape. Et en plus, avec un groupe de 30 coureurs à l'avant, ils disaient, comme Jay Hindley d'ailleurs a fait, je ne mets pas un coup de pédale, je reste dans les roues. Donc, à 30, on est protégé du vent, etc. On ne dépense pas plus d'énergie que si on était dans le peloton. Je profite de parler de la stratégie Jumbo-Visma pour faire mon parallèle avec mon deuxième élément de réponse. Wout Van Aert en éclaireur, bis repetita, on peut faire le parallèle à son rôle la saison passée sur le Tour de France 2022. Aujourd'hui, le Belge, l'ancien champion de Belgique, est parti en éclaireur dans l'échappée, à l'origine surtout pour aller chercher le maillot jaune et se faire plaisir lui-même. Et puis tout en essayant de gagner l'étape, pourquoi pas, si on arrive en petit groupe, il a largement les capacités de le régler au sprint. Il pouvait servir en cas que l'échappée n'aille pas au bout de point d'appui, ce qu'il a servi d'ailleurs aujourd'hui. Peut-être qu'aussi avec la physionomie de course et la présence de Jay Hindley dans l'échappée, ça a peut-être redistribué les cartes. On s'est peut-être dit côté Jumbo, sachant que Wout Van Aert a vraiment une capacité de résistance et d'endurance exceptionnelle. À lui tout seul, il peut tracter un grand groupe. Donc, avec la présence de Jay Hindley, on s'est dit peut-être, puisque UAE est complètement sonné et ne sait plus quoi faire, peut-être de mettre une pression en faisant rouler un maximum Wout Van Aert à l'avant pour que l'échappée prenne un maximum d'avance et donc obliger UAE à rouler et à se fatiguer. Ça peut être une consigne qu'il a reçue, on ne le saura certainement pas puisque toute stratégie doit rester dans l'équipe, secret professionnel. En fin d'étape, lui ne s'est pas relevé tout de suite, contrairement au UAE. Et par contre, en fin d'étape, il a vu qu'il serait trop court pour pouvoir aller dans l'échappée. Il a d'ailleurs, pour jouer la victoire d'étape, il a d'ailleurs essayé de prendre de l'avance à un moment dans l'étape avec Julien Alaphilippe. Bah, il s'est relevé pour aller aider ses équipiers, comme il pouvait le faire l'année dernière, aider Jonas Vingegaard surtout. Bon, bah, il est arrivé dans l'échappée, il est redescendu et il a mis un gros relais en tête du peloton. Ça a fait mal à tout le monde, ça a pu tester aussi pas mal de monde. Et puis, on s'est aperçu grâce à ça que Tadej Pogačar n'était pas en grande forme. Il y a aussi un gros relais de Sepkus, il faut l'avouer. Donc, on préparait aussi sûrement une attaque de Jonas Vingegaard. On a vu que Poggi n'était pas en grande forme. Bah, Jonas Vingegaard, lui, en a profité, il accélère, il voit que le Slovène ne peut pas suivre, et bah, c'est full gaz jusqu'à l'arrivée, et on prend aujourd'hui, on récupère les 11 secondes de perdu, plus on en prend 47 d'avance sur le Slovène.
Donc certains disaient au début que Jonas Vingegaard était un peu le toutou du Slovène et ne prenait pas de risques, c'était pas spectaculaire. Au final, il a eu raison. Pogačar s'est fatigué pour rien. Lui ne s'est pas fatigué du tout, même s'il semblait pas serein sur les débuts d'étape, le début de tour à chercher sans arrêt ses équipiers. Il a eu raison parce qu'il s'est pas fatigué et là aujourd'hui il a fait le trou. Bon, aussi avec une très bonne stratégie d'équipe, il faut l'avouer. Aujourd'hui, Jumbo a été parfait comparé à certaines étapes. Je parle par exemple de l'étape de Bayonne. Et oui, c'est un opportuniste, le Danois. D'ailleurs, en parlant d'opportuniste, ça me laisse transiter vers le troisième élément de réponse. On va parler de Jay Lindley et de Bora Hansgrohe à présent. Alors moi, je vais dire un grand oui. Même si au début, je me suis un peu énervé, il faut l'avouer, sur le début d'étape. Je me suis même dit, à un moment, petit Australien, tu devrais te relever parce que le peloton ne te laissera pas partir. Toi, si tu n'utilises pas beaucoup d'énergie en me mettant au coup de patte, d'ailleurs, il n'a mis aucun sur toute l'étape, il ne s'est pas dévoilé. C'est pour ça qu'à la fin, il a pu prendre tout le monde par surprise. Mais par contre, tu fatigues tes équipiers pour rien. Et après, il reste encore quand même 2 semaines et demie. Et en plus, tu condamnes l'échappée alors qu'on aurait pu laisser un équipier qui aurait pu jouer la victoire d'étape ou servir au minimum d'un point d'appui. Mais au fil de l'étape, notre ami australien a eu tout à fait raison. Il fallait tenter. Des fois, peut-être qu'on ne peut pas déstabiliser ces deux grands coureurs que sont Pogačar et Vingegaard en attaquant à 10 bornes de l'arrivée ou un truc comme ça. Peut-être attaquer de loin et mettre un peu la panique dans le peloton, ça marche. Et en tous les cas, aujourd'hui, ça a marché. Et il est sorti grand gagnant. Surtout que ce coureur a les qualités pour aller remporter un grand tour. Il l'a déjà fait en 2022. Maillot rose du Giro, vainqueur du Giro en 2022. Lui qui avait fini deuxième, malheureux deuxième en 2020, en perdant le maillot rose sur le contre-la-montre final de la 21e étape. D'ailleurs, quatrième du dernier Dauphiné, et puis bon, c'est un bon rouleur, donc pour le seul contre-la-montre qu'il peut y avoir, en plus ça peut lui correspondre, c'est faisable. Donc pour moi, oui, il peut être la surprise. Les amis, il est temps de répondre à la grande question, à savoir, a-t-on eu tort? Et oui, a-t-on parlé trop vite en résumant le Tour de France 2023 à un duel, à mano à mano, Pogačar, Vingegaard? Alors moi, je vais dire un grand oui, puisque aujourd'hui, premièrement, Tadej Pogačar a montré ses limites, comme il était déjà coutume l'année dernière sur le Granon. Et puis, on a bien remarqué qu'il n'avait pas retrouvé son rythme depuis sa chute et sa blessure sur Liège, Bastogne-Liège. Pour ce qui est de Vingegaard, aujourd'hui, il a paru serein avec une stratégie d'équipe très spectaculaire et très réfléchie. Mais on sait que depuis le début du tour, il y a quelques fois où il ne l'est pas serein. Oui, on le voit quelques fois, on l'a vu sur les deux premières étapes, se retourner sans cesse pour voir où étaient ses coéquipiers. On sait aussi qu'il y a eu une mauvaise ambiance après la défaite, entre guillemets, dans le sprint massif à Bayonne, où Wout van Aert reprochait à Vingegaard de ne pas avoir... emmener le sprint. Donc ça peut faire défaut et je pense que les adversaires de Jumbo devraient profiter de ces petites brèches pour pouvoir essayer de renverser le Tour de France. D'ailleurs, Jay Hindley a montré aujourd'hui qu'il était possible de contrarier Poggi et Joe Vingegaard. Et donc, je pense aussi que ça va donner de nombreuses idées à d'autres coureurs tels que David Gaudu, Romain Bardet, Mathias Kelmose, etc., etc. La partie statistique, les amis, je vais donner une petite stat pour bien montrer qu'il y avait beaucoup de coureurs qui voulaient prendre l'échappée et qui avaient eu du mal à partir. 49 km/h dans la première heure de parcouru par les coureurs du Tour de France. La moyenne a baissé après. Au fil de la course puisque l'échappée était partie et d'ailleurs on a fini sur une moyenne de 41 km/h. Aujourd'hui l'échappée a eu 4 minutes 10 d'avance maximum, je pense qu'il n'y aurait pas eu notre ami Jay Hindley, l'échappée aurait eu 8, 9, 10 minutes d'avance selon toute vraisemblance.
Les amis, les différents classements dès à présent, on commence avec le top 10 de cette étape. Victoire de Jay Hindley en 3h57 et 7 secondes. On retrouve sur le podium Giulio Ciccone qui a disputé les Grands Prix de la Montagne aujourd'hui, qui a été un peu malheureux. Et Félix Gall, récente révélation du Tour de Suisse. Premier français, David Godu, 9e, dans le même temps que Tadej Pogacar, grand perdant du jour, puisqu'il perd près d'une minute sur Jonas Vingegaard, 1 minute 04 pour être précis. Les différents porteurs de maillot, Jay Hindley en jaune, Félix Gall, nouveau maillot à pois, je pense que Nelson Paulus n'a pas dit son dernier mot, ni Giulio Ciccone d'ailleurs, et Jasper Philipson, maillot vert, attention, Brian Coquer a bien été filou, a été prendre les 20 points, a même sauté sur la ligne notre ami Mats Pettersen, l'ancien champion du monde, durant le sprint intermédiaire. Tadej Pogacar conserve son maillot blanc. Le top 10 du classement général, on retrouve Jay Hindley sur la première place du podium en jaune. À 47 secondes, on retrouve le Danois vainqueur sortant, Jonas Vingegaard. On complète le podium par Giulio Ciccone à 1,03. Tadej Pogacar dégringole et se retrouve 6e à 1,40, tout comme l'ancien maillot jaune Adam Yates à 1,34, 5e. Le premier français s'appelle David Godu à 1,56, 10e. Mais il faut le dire, dans le même temps que Carlos Rodriguez et Matthias Schkelmose. Les amis, place à ma rubrique nouvelle de cette année, mon innovation. On va parler de l'étape de demain. Bon, aujourd'hui, je me suis raté sur le prono. C'est vrai que j'avais pris un peu de risque, mais j'ai failli avoir raison avec Julien Alaphilippe. Alors, demain, nouvelle étape de montagne entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, avec l'inévitable col du Tourmalet, le Tourmalet, le col le plus emprunté dans l'histoire du Tour de France. 3922 mètres de dénivelé positif. Alors, il y a deux scénarios possibles, mais je pense plus sur le deuxième que je vais vous citer. La première, c'est une échappée qui va au bout, mais je ne le pense pas. On va vite l'écarter, cette possibilité. Et la deuxième, les favoris se jouent la gagne, surtout qu'il y en a qui ont une rancœur et qui vont vouloir se racheter. Mais trois favoris pour demain. Je vais mettre Jonas Vingegaard de Jumbo-Visma. Il va vouloir surfer sur la bonne dynamique du jour, sur la vague positive et confirmer son statut. Et pouvoir peut-être dès à présent, dès demain, enterrer encore plus le Slovène Tadej Pogacar. Il va vouloir aussi reprendre du temps sur Jay Hindley, car il a quand même 47 secondes à reprendre sur l'Australien. Et on sait que l'ancien vainqueur du Giro est très coriace. Mon deuxième favori pour demain, je vais mettre Matthias Schkelmose de Lidl Trek, la révélation du Tour de Suisse que j'apprécie suivre sur les routes du Tour du pays voisin. D'ailleurs, il a dynamisé un peu cette course, vainqueur de ce Tour de Suisse et du classement du meilleur jeune. Lui, qui est champion du Danemark et puis vice-champion du contre-la-montre au Danemark, il va vouloir aussi confirmer sa bonne présence du jour. Il a fini dans le même temps que le Slovène Tadej Pogacar. Je le vois bien faire quelque chose, surtout que je pense que personne ne mettrait une pièce sur lui dans le peloton des favoris et peut-être surprendre. Le troisième favori, je vais mettre le Slovène, même si aujourd'hui il a une fringale. On sait qu'à chaque fois il a de la rancœur et qu'il a à cœur de se racheter. On a vu l'année dernière qu'il a tout tenté pour renverser Vingegaard. Et après ça déroute, donc il va vouloir se racheter. Et puis il faut quand même reprendre du temps sur Vingegaard et Jay Hindley. Donc je pense qu'il est capable de se racheter. Et puis on sait que sur au vélo d'un jour à l'autre, ça peut la forme peut très vite changer. Les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kishel Pali, à demain pour la suite des aventures du Tour de France. Ciao, bye bye.